Chez lui, il y a comme un parfum d'hier. Dans son atelier, tout est vieux, à l'image de ses radios. Et c'est aussi avec du vieux cuivre que Roger-Paul Dupuis fabrique des alambics pour la distillation du géranium. Le cuivre, il trouvait un peu avec les anciens plantés de géranium. Il fait que, bon, mais nous troque un petit peu comme ça, là. Il fabrique un petit alambic, lui donne un bout de cuivre, tout ça, là. Il fait que, comme ça, il troque comme ça. Ce jour-là, Roger-Paul Dupuis achève une cuve tout en conseillant son fils. Ça tombe en plein sur le trou, là. Mais bon, mais bien rattrapé quand même. Romain et un ami ont entrepris de fabriquer eux aussi leur alambic. Ouais, parce que la tradition est payée. Et dans Pitbougie, il fait ça, hein. Donc nous essayons tout de cuivre. À l'étape, nous nous tourne. Les deux compères n'en sont pas à leur premier essai. Un peu dur, compliqué même. Si, mais il y a pas doucement. Il y a combien de temps là-dessus là ? C'est pas moins une semaine. Une semaine, quand papa aurait réalisé ce modèle réduit en une journée. Nostalgique de l'époque où ses parents cultivaient du géranium sur 10 hectares, Roger-Paul Dupuis entreprend il y a quelques années de fabriquer un alambic pour perpétuer le souvenir de la distillation. Comme on a fait un alambic, certaines personnes la trouvent jolie. On a voulu acheter, on l'a vendu. Après, on a recommencé un ou deux, c'était pareil. Mais finalement, on a continué comme ça, là, fabriquer des alambics. Et pour moi, aujourd'hui, on apprend. Il sait tout de la plante à parfum, le géranium à son zénith comme à son nadir, mais il avoue aussi avoir souffert petit de cette culture. Tous les jours, on y arrivait à l'école en retard, et comme on avait beaucoup de géranium, et ben, nous étions un peu vexés à l'école, tout cela, parce que tout on y arrivait en retard, ils nous sentaient le géranium, et les gens, ils n'aimaient pas qu'on nous sentait le géranium. Enfin, les marmailles à l'école, quoi. Sa réputation n'est pas circonscrite à Saint-Leu. De toute l'île, il est sollicité pour réparer et fabriquer des alambics. Là, c'est 2 euros, 4 euros, 6 euros, ils montent. Roger-Paul Dupuis distille 2 à 3 fois par an pour des connaissances qui lui apportent du géranium. Lui espère en replanter sur 1 ou 2 hectares, pas pour en vivre, par plaisir, par souvenir, pour garder peut-être aussi ce sourire qui ponctue toutes ses phrases.